qui a tué Caroline Marcel le 22 juin 2008 à Olivet, Loiret, pendant son jogging. Depuis 14 ans, les enquêteurs restent dans l'impasse, c'est pourquoi l'affaire a été évoquée lors du dernier numéro d'appel à témoins sur M6, le 31 janvier dernier. À la suite de cette diffusion, une centaine de personnes se sont manifestées, par téléphone ou par mail, rapporte la presse. S'en servir pour faire croire à son compagnon de l'époque qu'elle avait rencontré un autre homme, et ainsi faciliter leur séparation. Mais la fameuse bague n'a jamais été retrouvée. Le meurtre de la mère de famille s'est produit sur fond de tension avec son conjoint. Ce dernier n'a jamais pu être confondu par des preuves matérielles. De nouvelles analyses ADN pourraient être réalisées cette année, mais elles restent compliquées. Le corps de la victime avait séjourné toute une nuit dans l'eau et subi un violent orage avant d'être découvert. Zéro commentaire 1,5K partagé sur Messenger, partagé sur Facebook, partagé sur Twitter, partagé sur Flipboard, partagé sur Pinterest, partagé sur LinkedIn, envoyé par mail, sauvegardé une faute. Imprimé.